Ah oui, oh, d'accord. Oula, non, mais vous êtes complètement... Ah, c'est pas moi. Je peux vous donner la raison de ce problème. J'ai une excuse tout à fait valable. J'ai freiné avec l'embrayage. Ah, vous êtes sorti du coup. Allez, on passe aux choses sérieuses. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est de retour après deux expériences plutôt moyennes sur le circuit de Summit Point. Point. Three points. Summit Point. Et on continue donc la suite de la dernière fois, tout simplement. Waouh. Mon GG. Je viens de coucher. Bonjour à tous. Calmez-vous. Alors c'est une référence au pas de macho, hein. C'est pas une erreur de micro ouvert, hein. Ne vous inquiétez pas. Non parce que... Dis donc Jardin, tu peux travailler quand même. D'ici à ce qu'on nous fasse une fanfiction, j'en ai un peu peur. Ah Allez Robert, tu viens de coucher. Ah, si quelqu'un, oh, Robert, si quelqu'un sait faire des webcules, des webcules, je sais pas comment on appelle ça. Mais... Une fanfiction, Emeric. Bah oui, moi, allez, c'est parti. Ah non, pas des webcules. Une fanfiction, c'est raconter une histoire très homo-érotique entre deux personnes qui délisent. Ah, bah oui, mais avec des dessins, moi je veux. Ah bah non, c'est le principe. Ah bah non. Ah, moi si, honnêtement, si quelqu'un sait me faire moi en wankule, je signe tout de suite. Je rêve d'avoir mon wankule. Ah, c'est un truc, je suis tellement fan de l'inquiété racine depuis, disons, je crois, truc genre 50 000 abonnés. Et vraiment genre, les après-midi rigolos de Thomas et Damien, hein. Vraiment, j'étais là depuis le début. Hein. Pareil. Ah, je le prends aussi, hein, si vous avez... vous l'envoyez à Maxou, il va me l'envoyer. Ouais, mais toi t'as pas ta photo. Contactez-moi sur Facebook, sur la page Facebook Maxou Pilote, envoyez-moi un message. Et si vous êtes doué pour faire les wankus, je vous file des photos de moi, vous dites ce que vous avez besoin en message privé sur Facebook et voilà. Au passage d'ailleurs, si vous êtes un artiste, c'est jamais hein, un artiste qui fait ce genre de choses, un graphiste, un dessinateur, qui touche un peu, qui fait des intros, etc. Contactez-moi, vous me faites mon wankul et on verra, je vous file tout ce qu'il faut comme skin, logo, etc. Et c'est vraiment un rêve de... pas d'ado, mais ce serait un vieux rêve d'avoir mon wankul. Je mettrai un commentaire sous la vidéo. Du coup, je me rappelle que je suis en tour calife. Je tournais comme si j'étais en tour d'essai. Peut-être ça le secret en fait, c'est de parler d'autre chose pendant que tu roules pour pas avoir... beaucoup moins de grippe que tout à l'heure. Hein. Oui. Ah, du coup, je m'en sors mieux avec la voiture. J'ai l'impression de mieux la sentir, de mieux la. Moi, je la sens bien. Voilà. Allez, l'affaire, j'ai fait. La Cadillac. Le burger. Allez, allez, Pénélope. Ils sont des têtes maintenant. Ah, j'ai fait la merde. Il donne des surnoms à ces voitures. Voilà. J'ai une petite anecdote comme ça. Quand j'étais à l'armée, on m'a dit... Ah mais on te l'a pas demandé. Il faut donner un nom à ton arme. Du coup, je l'ai nommé le nom de madame, et puis on m'a dit, ah, pourquoi? Ah, je dis parce que quand elle tire, elle fait mal, voilà. Oh, t'as pas le bras en vidéo, Emeric. Ah ben, de toute façon, les esprits malins diront, ouais, tirez quoi. Voilà. Ah, tu m'as fait sortir de la piste. Ouais, et moi, tu m'as fait perdre mon rythme. Bravo, Emeric. Ça va, ça va. Tu es un... Non, je te l'arrête. Un mal au trou. Nick. Voilà. Team. Nicky Team. Voilà. Oui, voilà. J'allais tourner en 10-400. Et voilà, c'est niqué. Merci. Je pars 5e. Oh là là, moi je suis tellement aux fraises. Ah, j'ai fait un pour moi. Une 9. Eh ben, c'est la première fois que je vois ça. Si t'avais fait une 9, je me serais coupé la couille qui me reste. Non, j'avais fait... Bah une bonne qualif à oublier, hein. Franchement, une 11-9, bien catastrophique. Alright, save the chicken flag. On m'a fait... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ah. Voilà. Alors. Les personnes avec qui je passe le plus clair de mon temps de ma journée. Voilà. N'hésitez pas à envoyer des dons. Ouais, d'ailleurs, au passage, petit message tant qu'on est dans les... Dans les dons. Faites-moi un cul pour les dons.
Non, non, honnêtement, s'il y a des gens qui s'inscrivent à iRacing, ah. Quand vous vous inscrivez, il est toujours demandé, à un moment donné, une adresse mail de parrainage. Et cette adresse mail de parrainage peut faire donner 10$. Donc si vous voulez me faire un don et que vous n'avez pas beaucoup de sous et que vous voulez vous inscrire à iRacing, déjà, c'est pas logique, mais si vous voulez vous inscrire à iRacing et que vous voulez me soutenir, au moment de vous inscrire, quand on vous dit vous avez une adresse mail de parrainage d'un membre iRacing, vous pouvez entrer l'adresse mail maxoulpilote@gmail.com, comme ça moi je récupère peut-être un petit peu de crédit pour acheter du contenu, c'est-à-dire des voitures ou des circuits, et donc varier un petit peu le contenu, parce que c'est bien beau cette série, mais le but c'est quand même de passer en classe C à la fin de cette saison, on en a encore pour un petit mois, donc avant que ça devienne un peu trop redondant, si vous voulez qu'on teste d'autres voitures, n'hésitez pas à... ou des circuits d'ailleurs, hein. Au passage, j'ai failli me faire avoir à la pit limit. Oh, pit limiter. Donc voilà, petit message de passé. Hop, voilà. Bon bah, merci beaucoup Stéphane et tout ça. N'empêche, il a gagné sa catégorie. C'est un peu la Coupe du Roi, 24 heures de Spa, il y a quelques années, il y avait deux pilotes. Mustapha, bravo pour ta victoire en Kia. Qui a pas dur, je suis tout seul. Que je me dis, ce qu'on a là. Bonne chance, je sais jamais. C'est pas dur, je suis tout seul. Ah mais bien joué. Bonne chance et attention parce que ça risque de revenir très vite les Cadillacs. Allez donne tout. Je serai la chicane ambulante. N'empêche mais... respect parce que 22 tours avec la Kia tout seul face au monstre que t'as autour, ça va être très très long. On compatit sincèrement. Tu veux là, ah il est mort, il est mort. Tu pourras avoir ta course sur la chaîne du Max Pilote. Voilà. Allez. Abonne-toi à la chaîne Manduel. Ah il apparaît frotté. Ah les bolos. Et qui c'est qui est encore devant? Oh, ça va les chutes ça. Je sais pas pourquoi mais je sens que c'est la course de trop. Ah pas moi, moi je suis super confiant. Non moi je suis pas. Ah putain, pardon, j'avais oublié de couper le ventilo. Ah, je sens que je l'ai coupé. Et y'a Yuri Baskopé, ce qui me dit toujours quelque chose comme moi. Yuri, bonne chance. Ah, alors que ça freine déjà, là, je me méfie toujours devant parce que... Je prends pas trop de vitesse parce que plus tu prends de vitesse, plus ils ont risque qu'en arrivant ça touche. C'est ça. Voilà, comme là. C'est qui là, orange derrière? C'est Tomax qui zigzague là. Ok, enfin, oui, appel de phare. Ok. Ça te va comme réponse? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Oh, les mecs qui zigzaguent dans les virages, ils me font tellement peur ces gens-là. Est-ce que Lucas est là que j'en termine? Ah. Non, il y a pas l'air. Ah, j'ai pas vérifié ça. Y repasser au neutre. Ah mais c'est... on se fait on va se faire lancer par une Porsche, quoi. C'est un mauvais signe. Les contes du diable, les briques. Putain mais je suis censé être à côté de Maxou, je suis derrière Emric. Y'a un mec qui avance pas devant, c'est ça? Ah non. Non, c'est bon, ça tient. Ça. T'es juste derrière moi, hein. T'es pas censé être à ma... T'es censé... Voilà, là t'es censé être à ma hauteur. Mais elle est quelle couleur ta voiture? Elle est plus bleue? Ah, pas du tout. Oh, mais le mec, non, mais lol. Moi, je me orange, fais moi. Jagermeister! Je me fais doubler par les mecs, alors que je suis pas du tout. L'alcoolaison. Oh, les Frankie Queen, quoi. Je suis en première. Attention, et attention, Andy, il va pas trop à gauche. Ouais, j'ai pas plus de place. Hein. Non, ça va, pareil. J'arrive où les mecs ils tartinent déjà, là? Ah, je suis du mauvais côté, ça me fait chier. T'inquiète, ça va se passer, Brick. Ça va. Reste calme, ça va se passer. Ouah. Bonne course à tous. Tu sais qu'il est anglais, hein? Ah, mais moi je parle qu'au français. Good luck, guys. Ha. Yeah, GG, come back. Get ready, going green. Oh, il ralentit exprès, c'est moche, ça, monsieur. Ah, je me demande s'il est obligé. Avec le pace car qui ralentit au moment de prendre sa course à droite. Putain, ça me saoule ce qu'ils font. Green. Allez, green, c'est parti. Oh, Emric, attention.
Ouh. Ah, je l'ai vu, j'ai fait exprès. Oh, t'es en train de m'aider? Bah oui. Car ride. Ouais, Donat, tu sens pas pousser des ailes non plus. Keep to the left. Oh, le mec il m'aide, mais à la fin c'est... Attends, ça reste moi le patron. Mais reste derrière, moi j'avance. Vas-y, passe. Ah oui, mais... Clear on the ride. Ah non, je t'ai... Bonsoir, Emmerich. Allez, Black Flag, allez, c'est bon, mec. Oh, Emmerich, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, quand j'ai dit vas-y, passe, ça a fait un coup de cul. Et ça m'a éjecté dans l'herbe et j'ai freiné, c'était fini. Ah, désolé, à vraiment cause désolé. De trop. J'y peux rien, hein, mais désolé. Ça me fait plaisir pour toi. Bravo, merci. Mais Black Flag, genre, c'est fini ou... Non, mais j'étais ralenti et je suis... Ah, slowdown. Ouais, pardon, slowdown. D'accord, j'ai cru que t'étais Black Flag, genre, vraiment dehors, quoi. Non, j'ai pris une sortie, enfin... Alors que l'orage continue de claquer juste au-dessus de... Juste au-dessus de mes fenêtres, c'est magnifique. Ouais, si on perd Andy, vous inquiétez pas, hein, c'est que l'orage est tombé. Le problème, c'est que ce sera chez lui. Ouais, et que j'y grille. Combien? Dixième. Ah. Et ben on va plonger à l'intérieur. C'est qui ça? Ah, c'est moi, c'est moi. Et voilà. J'ai rien fait. Cause de trop. Non, mais cause de trop, je l'avais dit. Alors, faut le savoir, il y a le syndrome sur Racing, le syndrome de la course de trop. Moi j'ai pas l'impression de l'avoir du tout là. Je suis très détendu. J'ai l'impression de maîtriser la voiture et la piste. Comment perdre son ratio facilement? Je suis très prudent. Alors que j'ai ma pédale d'accélérateur du T3PA qui fait un bruit. Mais elle grince. Il y a Mustapha qui vient de nous dire je confirme qu'il y a, c'est de la merde. Je lui ai rigolé au visage, tel un homme sans respect. C'est-à-dire que j'entends la pédale grincer, alors j'ai mon casque sur les oreilles et je sens ma pédale grincer sous mes pieds, c'est une horreur. Et ton voisin du tout vient d'appeler les flics. Ah non, sonore. Mon voisin du tout, c'est moi, donc ça. Et Schmitt. Eh ben on va attaquer comme un bourrin, tant pis. Ah bah oui, quitte à tout perdre. Autant essayer d'y aller, hein. Quitte à tout prendre. Ah, j'étais gentil deux fois. Toi, je t'ai laissé passer, ça m'a revenu dans la gueule. Pareil, j'ai pas voulu le taper, ça m'est revenu dans la gueule. Là, j'attaque. Ah, c'est pas... De toute façon, je pouvais rien faire. T'es arrivé comme une balle au freinage et quand t'as accéléré, t'es parti, donc... Moi, c'est pareil, t'es parti sur le vibreur derrière moi. Faire que des tours de qualif. T'as 5 secondes 5 de moi donc. C'est jouable, hein. Bah c'est la P5 moi que j'aimerais bien, mais au moins récupérer la même place. Alors que Mustapha est rentré au stand-up. Le pauvre. Oh bah il a gagné sa course, il s'en fout là. Et c'est la Coupe du Roi à 24h de Spa à l'époque, il y avait 3 Ferrari, il y en a 2 qui cassaient au bout d'une heure et le troisième elle roulait genre. Il a un arrêt toutes les 2 heures, tellement il était cool au niveau carbu. Coupe du Roi, vous pouvez retrouver d'ailleurs dans GTR2. Il y a les voitures de la Coupe du Roi. 360 Modena. Nice. Ah, pour laquelle j'ai fait Safety Car. Le Challenge Ferrari. Ah oui, non, mais t'étais pas dedans, elles étaient ah non, derrière. Non, non. Ouais, c'est ça que je veux dire, un safety car. Hein. J'adore les bolos qui changent de ligne. Yuri Baskopé, c'est vraiment un nom qui m'est pas inconnu. Hein. Ah, mais c'est un mec du WTCC à Ligue. Ligue, pardon. WTCC X-Force, pardon. Oh là là! Aïe aïe aïe! Oh là là, le mec il cite des noms en live, il a aucun respect! Bon, et c'est un truc mort donc je peux me permettre! Ouais, c'est un truc mort-né, ouais. Go right! No!
Watch out when you come back on the track. Clear. Et voilà, le mec il revient en piste, il se met juste sous mon nez, donc du coup le gars derrière moi me rattrape. Clear. Au moment où t'as dit no, j'ai sauté sur les freins. D'ailleurs j'ai bien fait parce que j'étais légèrement en retard sur mon freinage, j'ai fait tout mon freinage en glisse. J'ai tellement un rageux sur iRacing quand j'y pense. On est tous des rageux de toute façon sur iRacing, c'est... Ouais mais micro ouvert. Y'a rageux micro fermé, y'a rageux micro ouvert. Ah aussi parce qu'on a... On va pas dire qu'on a un but, mais on voudrait quand même un petit peu avancer dans les divisions pour pouvoir rouler sur d'autres choses. Donc forcément, par rapport aux gens qui ont pas de but, qui roulent juste comme ça... Ce qui est dur à croire hein, sur iRacing honnêtement. Quand on voit le mode de fonctionnement financier et de promotion et de... On a du mal de comprendre encore qu'il y a des gens qui viennent juste pour... voilà quoi. C'est clair. Ouais, faut savoir que nous, ça fait quoi? Ça fait maintenant à peu près 2 semaines qu'on a le jeu. Et on a vraiment un système où on roule beaucoup, on s'entraîne beaucoup. On essaie de rouler sur pas mal de catégories, histoire de pouvoir varier un petit peu, mais on essaie quand même d'avoir un rythme qui est assez soutenu. Donc forcément, on rage plus, ce qui est logique. On découvre beaucoup de catégories. Moi, je découvre des combos de circuits que je connaissais pas, honnêtement. Soit la Mazda Cup, je connaissais pas, tout ce qui était dirt, les ovales, Phoenix, Charlotte, Okayama, tout ça. Enfin, Okayama, je connaissais, hein, mais dans ces conditions-là, c'est rare, quoi. Même la Cadillac, ici, elle était dispo sur Forza 4, mais faut pas déconner. Enfin, Forza 6, pardon. C'est pas du tout la même chose. Ah, c'est une simule, c'était pas un jeu. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on a quelque chose de beaucoup plus pointu. Ah, c'est toi qui fais la fumée comme ça à chaque fois ici. Moi ? Non, ça doit être moi. Ah, j'ai failli la perdre dans le dernier droit. Pour vous dire. Il y a du trafic devant. Je parle plus parce que dès que je parle, je me. Faut au moins que je chope la 7ème place. Ouais. Oh là. J'ai un problème de vue alors que derrière moi c'est la fin du monde, ils sont 3. Je peux faire un 5-9 en un virage si je me loupe. Voilà, tu freines, la voiture freine pas. C'est ouf. Je sens la douille arriver, vous inquiétez pas. Le volant un peu de travers, je sais pas si c'est le jeu ou si c'est moi. Non, c'est moi, pardon. On termine le 7ème tour, on passe au 8. On entame le 7ème de mon côté. T'es sûr? Oh non, c'est bien le 8ème. Ah oui, pardon. Mais le délai entre le passage du transpondeur et l'affichage est très long. Ouais, c'est le temps que tout se mette à jour, hein, c'est tout à fait logique. C'est très long, je trouve. Moi, surtout sur Pécard... Ah, vas-y. Sur Pécard, c'est instantané. Ouais, enfin bon, c'est peut-être un des seuls avantages de Pécard, hein. Après reste. LOL. Et pour le coup, ça te fait toujours un petit stress quand tu termines ta qualification et que tu regardes à quelle place t'es. Tu t'améliores ton personal best et après tu fais 19ème, tu fais OK. Je vais jouer à Call of. Mais je fais autre chose, je quitte. Pour pouvoir. Ah oui! Voilà. Ce passage sera coupé. C'est ouf parce que j'ai des difficultés dans des virages qui passaient crème avant. Température de la piste? Car on your left. Stay on the right. Oula. Still there. Clear. Maman, au secours, j'ai peur.
Pourquoi t'as dit où là? J'ai En fait t'étais à droite, t'étais reparti à gauche, je me suis fait siffler. J'ai fait ce qu'on appelle un changement de ligne, c'est... J'ai le changement de ligne et puis je suis revenu à ma place. Donc deux, non? Hein? Donc deux. Ah non, j'ai le droit de faire ça. Changer de ligne puis revenir à ma place, j'ai le droit. Ça fait deux changements de ligne. C'est ce que je dis. Si je vais à gauche et je reviens à ma place, c'est comme si je vais à gauche, je vais à droite. Ouais, enfin non, enfin j'ai le droit, cassez pas les murs. Ouais bon, t'es de la FIA, bon. Voilà. T'es de la famille Balestre. Suis-moi, on va choper les mecs devant. J'ai pas cette prétention, Emmerich. Ah, Mustapha voilà, qui est arrêté encore au box. Je suis chaud patate, hein. J'avais pas vu. Là, il se bagarre, il y a encore 10 tours, 11 tours, donc... Ne vous inquiétez pas, au rythme où je vais rendre fou les gars derrière moi. Putain, je viens de changer la répartition de frein. Comment je la sens mieux au freinage? Je touche pas à ça. C'est con. Eh bah bref. Je peux vous annoncer qu'en début de course, on part avec 80 litres d'essence. C'est absolument colossal. Une colossale quantité! J'ai 11 secondes devant. De retard sur les deux devant, qui sont donc 3 et 4 et qui ont 1 centième d'écart. C'est beau. Je mets ça là, vous débrouillez avec. Vous m'en laissez un peu, par contre, je le laisse là, mais vous m'en laissez. Baja, Rayan. Benjamin, Rayan. Ah oui. Bah alors, on met des roues dans l'herbe, pas dans la salle. Ça commence à chauffer. Mais c'est wow bien, c'est que... Et on m'a poussé et j'ai pris un contact x4. Tu m'as fait oh, j'ai tout lâché. Je me suis dit, les mecs devant sont foutus en l'air. Il a lâché le volant et est parti tout droit. C'est ouf, il m'a juste tamponné. Took me out. Non, honnêtement, je sais pas, j'ai peut-être freiné beaucoup parce que je suis en difficulté, mais c'est pas le premier tour, quoi. C'est ça que je comprends pas. Bizarre. Bon, bah désolé. Pas vraiment responsable, je sais pas. J'ai pas changé de ligne, j'étais à l'épingle à l'intérieur et lui, poum, il est venu juste me pousser. You're not giving me good informations. Ça s'appelle Fernand. Allons. Ouais, notre ami Fernand. Wouah! Fernand les bons tuyaux. Tellement à l'arrêt, c'est ouf. Continue. Ça me permet de revenir sur le groupe derrière toi. Ah oh, mais comme ils ont la spi, c'est dégueu aussi. All right, clear on the right.
bouchon biche. Tu reviens là, Emmerich, sur eux ou pas? Ouais. C'est pas volontaire hein, ce que je fais, je suis vraiment en vrac, hein, les enfants. Que je dise pas dans les commentaires, il a bloqué pour aider son pote. Non, pas du tout. Au moment où t'as dit ça, j'ai passé à 3, on a fait. Clear on the ride. Et moi, c'est là pour le coup, c'est pas un problème de pression de pneu ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste que j'ai pas le rythme en fait. Je sens pas la voiture sur le circuit, j'ai pas le rythme. Ah, ça me saoule parce qu'à chaque fois que je le chope, le rythme, j'ai une couille. Ou alors j'ai l'impression que les mecs ils accélèrent. Voilà qu'on entame le 14ème tour. Ils gênent entre eux, ça m'arrange, mais justement, je devrais revenir encore plus. Ah, il t'a passé le mec. Oui, il était plus rapide, j'ai laissé passer, y'a pas de raison que je le bloque plus. S'il arrive à être plus rapide que moi, je vais pas le foutre dehors. Donc il était plus rapide, donc j'ai laissé passer. C'est ouf, dès que je passe derrière quelqu'un, j'ai de nouveau du grip de ouf et je pourrais attaquer comme si j'avais personne devant moi. C'est dingue quand même. Ouais, allez. Droite, ils ont la spi, ça me saoule. Ah non, ligne droite dès qu'ils se prennent là. Les premiers ils ont énormément. Ils sont déjà à la hauteur du gauche très serré. Oh bah alors, on est sorti tout seul. Allez, si je pouvais choper la spie au moins. All right. Stay on the left. Still there. Hold your line. Still there. Clear on the right. Ça fight. Tous en délicatesse là. Tous fait au moins une faute sur le dernier tour, les 4.
Ça va encore barder dans le freinage du bout de la ligne droite, je peux vous le dire. Ça va dans le gravier. Les deux devants sont à la limite. On n'est pas plus rapide, mais on fait juste moins de fautes. Rien savoir. Continue. On sent des plats quasiment dans le pneu, je sais pas vous. Non, non, moi c'est en ligne droite, c'est fou. C'est, je sais pas ce qui se passe. Je reviens sur vous dès que c'est parti sinueux. Et en ligne droite, avec, j'ai l'impression qu'il y a une aspi de ouf. Et moi j'ai rien. Je me claque vers le mec, j'ai rien. Ça sert à rien que je me colle à chaque fois. Là, je perds un peu de temps. Je perds un peu de temps et je glisse beaucoup aussi. Un garçon derrière à l'aspi, il y a un très bon run. Il va se décaler. Je m'attendais à une attaque au freinage. Il n'est pas passé. Il va rester quoi, deux tours peut-être? Je pense. Tiens ça. Oui, non, non, c'est ça. 22. On m'arrête à 22. Pour le coup, Z1 Dashboard me dit carrément la 20 sur 22, donc oui, normalement, ça va être ça. Laisse-moi le produit. Ouais, Z1 Dashboard, hein. Très bon dashboard, pas trop cher, mais très très bon. Voilà, j'ai décroché sur les deux devant, hein. C'est ouf, mais tellement la voiture à la limite de... que je peux lui donner là. Oh non, j'ai mon premier off-track, zut. Oh, moi je suis à 10 sur 17 avec tous les contacts et 100. La totale. Je suis un peu dépité. Oh, elle m'emmène. Ouais, allez, ça y est. Voilà. Ça, c'était. L'injustice. Ça. Sir. Ah ouais, mais ouais, c'est... Voilà. J'aurais pas dû la faire. Il
Drapeau blanc. Dernier tour à résister. Je sens beaucoup de mou dans mes pneumatiques. Beaucoup de vibrations au freinage. Voiture très très incertaine. Ne pas flancher, on sait que c'est un peu ma spécialité dans les derniers virages. C'est ouf, c'est ouf. La voiture derrière, sauf catastrophe, c'est fait. Je suis arrêté complet. Je suis complètement à l'arrêt. C'est ouf. Voilà, on termine quand même. 7ème. On n'aurait pas pu faire mieux face au garçon qui était devant nous. All right, there's the checkered flag. Great job, you did really well. Eh ben écoutez. Course. Ça leur a été compliqué. Extrêmement difficile. Certes, on n'a pas attaqué, mais il fallait défendre beaucoup. Voiture qui était plutôt stable pendant les 12-15 premiers tours. J'ai eu un rythme constant. Et le dernier tiers, quart d'épreuve, il a fallu céder du terrain. C'était trop, trop compliqué de la tenir. Mais bon, en tout cas, c'était plutôt, plutôt sympa. Comme course, on a eu un contact parce que alors le garçon m'a rentré dedans, mais j'ai sans doute freiné peut-être au milieu de la piste. Je vais être honnête avec vous, je ne m'en rappelle pas, mais sur le moment j'avais l'impression d'avoir pris ma bonne trajectoire, mais c'est pas grave. On va ramener la voiture dans les box et on va en terminer avec cette course qui donc devrait être suffisante pour me placer dans la classe D. Malgré mes 5 points de contact, mes 4 points de contact, pardon, acquis. Sinon, le pit limiter, tu fonctionnes quand tu veux, hein, c'est dommage. Y a pas de pit limiter là-dessus. C'est sur la cagnotte. Ah si, bah, je suis bête, pardon, désolé. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette course dans l'aventure iRacing. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bon amusement en piste les amis. Merci à Emric et merci à Andy qui était encore avec moi pour cet épisode. À la prochaine, salut. Ciao. Salut.